this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Eh bien bonjour à tous et bienvenue à vous sur la chaîne de Joe les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et bien tout simplement pour faire la suite de la série, de la nouvelle mise à jour majeure de Derive Valley. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour l'épisode numéro 6. En tout cas je vous remercie à tous d'avoir été aussi présents dans les commentaires, d'être aussi présents tout simplement en tout cas. Par ailleurs je vous fais une petite annonce, je vous invite tous à rejoindre si ça vous intéresse le Discord communautaire JoGLK Community, excusez-moi, le lien est en description, dans la description de la vidéo tout simplement. Vous pouvez le rejoindre, sur lequel vous pourrez tout simplement y proposer des jeux de simulation et tout ce que vous voulez autre, et même discuter, etc. Voilà, petit aparté. Mais en tout cas on est prêt, et aujourd'hui petite surprise, bon on va pas changer de locomotive parce que on est déjà avec celles-ci qui sont vraiment pas trop mal encore. Attendez, je vais m'éloigner un petit peu, ça fait un peu pas mal de bruit. Alors normalement j'ai réglé le problème tout simplement du bruit en fond et de l'écho normalement, plus ou moins. En tout cas je l'espère. Alors pour cette fois-ci il n'y aura pas de musique, je vous ferai la remarque qu'il n'y aura pas de musique malheureusement, parce que on m'a dit qu'il y en a que ça cassait les oreilles et que ça casse l'immersion. Alors on verra bien, en tout cas cet épisode numéro 6 sera sans son, enfin sans musique, mais avec un son évidemment du jeu. Donc précisément on va d'abord aller chercher une mission, mais pas n'importe laquelle puisque j'ai acheté une nouvelle licence et on va la découvrir ensemble, parce que j'avais encore jamais fait cette mission là. Alors je sais que j'y vais en volant, vous pourrez dire ce que vous voulez, on n'est pas en mode réaliste, je le reprécise à tout le monde, on est en mode confort pour pouvoir découvrir la totalité du jeu, et une fois que le jeu sera totalement découvert on pourra bien évidemment s'amuser à faire du réaliste. Alors ouais, par contre ah oui c'est là-bas, je vais y arriver. Ah ouais, c'est le petit clignotement vert, et 1, 2, ah d'accord, ouah, ça fait mal. Essayer de la sentir passer. Alors je vais vous montrer d'ailleurs la nouvelle licence achetée. Bon de toute façon ça sert à rien de vous la montrer. Bon, peut-être pas les jeter quand même. Alors là c'est pas ça. On va en trouver une pas mal. Non plus. On va y arriver. Ça paye que dalle ça. Hop. Tac 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 tac. Il y a du long 2 ici, ouais c'est pas trop mal. Mais c'est pas ça. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu les missions. Alors le nouveau tout simplement, ça va être matière dangereuse évidemment. J'ai suivi vos conseils et vos envies tout simplement dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et ce que vous voulez que j'aimerais, enfin ce que vous vouliez que voir tout simplement sur cette série. Alors cette fois-ci j'ai acheté tout simplement matière dangereuse niveau 1, donc c'est à dire que HZMT on peut le faire hein, tout simplement. Et voilà, oups, mauvaise touche. Donc on peut faire celui-ci, on a, alors tant qu'à prendre un bon truc, franchement autant prendre de la matière dangereuse, franchement, parce que ça rapporte gros. Par contre c'est peut-être un peu plus dangereux. Là on va récupérer que ce qui est en matière dangereuse et longue, là on a longue 2. Alors on est à 450 tonnes pour une de mes locks, et si je prends le longue 2, non c'est mort, c'est pas possible, la masse du train va pas être possible, ça c'est mort, je peux pas faire grand chose, à moins qu'ils aient une lock que j'ai envie. mauvaise touche. Alors, let's go, on va aller voir s'il n'y a pas encore une lock comme la mienne. S'il y en a une, on va la récupérer, ne vous inquiétez pas. Oh, ça fait mal. Oh, il y en a une. Parfait, bah écoutez, on va la récupérer et l'amener jusqu'à mes locks. Ok, faudrait qu'elle parte. Faut qu'on parte en marche arrière, quoi. Partir en marche avant d'ici et en marche arrière. Donc, let's go, les gars. C'est parti pour un peu d'immersion. On va se le faire à l'ancienne. Hein. Tac, elle est toute à gauche, par contre. Alors, est-ce qu'on est bien placé ? Pile. Alors, let's go les gars, on va récupérer une troisième lock, comme ça on va pouvoir faire du long 3. Alors, long 2, matière dangereuse 1. Donc, il y aura des sons peut-être. Alors, je pensais à faire un truc, on va le faire pas tout le temps, et encore j'ai un doute de le faire, mais bon. Faudrait que je fasse tester. Allez, comment celui-ci? C'est déjà mieux. Démarre-toi. Alors désolé pour le bruit, j'espère qu'il est pas trop fort, mais si vous voulez de l'immersion, bah vous allez avoir évidemment du son et du bruit, hein, c'est tout ce qu'il nous faut de toute façon. Tant qu'on n'ouvre pas les fenêtres. Alors, on a desserré ça, on desserre le frein à main. Ils appellent ça un frein à main, mais bon, c'est pas une auto. Alors let's go, marche avant. On n'en met pas les fanons encore, vous inquiétez pas. Ah c'est bon, on y va. Alors je vais essayer de quand même remplir les fonds du sans musique, parce que sinon, ben Dieu que vous allez m'ennuyer. Donc là on va pouvoir prendre le niveau 2. Alors,
J'allais te dire merde, ah, ça se trouve qu'elle était même pas droite, tu sais, sur le truc. Ah, elle a pas cliqué. Elle a cliqué là. Et je parie que je suis en plus ou moins en face. Non, je suis en face, c'est bon, on y va. Alors, let's go, on va aller. Alors, faut que je parte en marche arrière. On est bien, on est bien. Ah, il y a le frein. Ça desserre. C'est bon, on est desserré. On peut envoyer. Et pour information par rapport à mes commandes de jeu, je joue avec du coup la molette de la souris. Je trouve bien plus précis que d'utiliser directement la souris sur les. Parce que quand vous êtes assis, bah ça se voit pas trop. Attends, je crois qu'elle est neuve. Ouais, c'est bon, tout est nickel. Parce que j'allais dire, ouais, ça se trouve, j'ai pris une lock pourrie. Donc là, on va être à 3 locks. Ça fait beaucoup. Mais matière dangereuse, c'est parti. On va tester ça. On va voir ce que ça donne, ça se trouve c'est chaud. La météo a l'air plutôt pas mal, j'ai même pas regardé la météo, de toute façon on l'a pas encore prise, mais bon. Let's go, on bouge ça. Et partir en marche arrière. Allez, on envoie. 25, oh, on peut aller même un peu plus vite en vrai. C'est pour s'arrêter après que ça va être relou. Elle est belle cette petite DH4. Bon. Alors du coup ça va nous en faire 3. Ça sera pas trop mauvais. Hein. Ça sera même suffisant je dirais. Alors là on se dirige sur les locks hein, je crois. Que je dise pas de bêtises et qu'on aille au mauvais endroit. Non c'est bon je les vois là-bas. Non, je les vois pas du tout en fait. Ah si, on les voit, elles sont un peu en bas de carré, cubique, là-bas. J'essaierai de vous faire... Non, je veux rien vous faire, parce que je pense que vous les voyez. Ah, je vous montre avec la souris, elles sont là. Ah, c'est des cubes. Bon, par contre, on va pas du tout très vite, quoi. On pourrait envoyer un peu du lourd. Voilà, on va avancer jusqu'à 30 km/h, ce sera suffisant. Attends, il fait chaud. Il fait plus de 38 degrés dehors, les rayes. Oh là. Oh les. J'ai kiffé chaud, mais je suis pas obligé de manger la fenêtre non plus. Oh oh! Loupé. Échec et mat. Arrête-toi, Michel! Je me suis loupé. Et voilà, de vouloir faire des n'importe quoi, et eh ben je fais vraiment n'importe quoi. Ouais. J'ai loupé le passage. Désolé pour le bruit de fond, vous allez entendre ma cigarette électronique. Du coup, vous voulez vraiment de l'immersion, bah, je vais vous mettre dans mon immersion. Let's go, allez. Attends, ouais, on a oublié de desserrer. Elle dessert, c'est bon. Non, mais loc. Oh oh. Le freine. Oui. Perfect. Mais c'est nickel ça. Oh, par contre, on va peut-être commencer à ralentir un peu quand même. Faut pas aller trop. Impec. Ça va le faire. Bon, on sort tant qu'à faire. Roukoul, roukoul, roukoul. Apec. Par contre, tu vas pas passer en dessous. What? Niette, je passe. Alors là, je les ai jamais faites celles-ci. En 3 fois. Non, jamais. J'ai déjà fait 4 avec les jaunes, mais... ouais, 4, je les ai faites. Ouais, voilà, on a 3 locks accommodés l'une des autres. Et pourtant, elles sont grandes. Déjà, celles-ci, elles font... elles font déjà 80 tonnes pour vous dire, tout simplement, mais j'ai pas la longueur de train, j'avoue, elles doivent faire environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être environ 9 mètres on va dire environ, parce que là on est dans un jeu et j'ai le FOV donc ouais elles doivent faire presque 9 mètres de long. Ouais on a presque 30 mètres rien que là-dedans. Bon on va aller récupérer la mission et après on s'occupe des wagons parce que avant tout... oula. Elle est là. Je suis en train de chercher. Excusez-moi les gars, tranquillement on s'y remet. Alors... ouais, la longue 2,
ça va nous faire 100 000 balles. On est à 720 tonnes, donc comme je vous le disais, on peut supporter grâce à mon cher abonné qui nous a expliqué tout simplement qu'une seule DH4 pouvait supporter tout simplement 450 tonnes. 450 plus 450, ça fait pas 720, hein. Je sais compter. Donc voilà, on va prendre ça, il faut l'emmener. Oulala. Attends, on va regarder la météo. Oh shit. Désolé pour ce que je viens de dire, mais ouais, bon, ça pue des fiacs. Il va flotter toute la journée. En fait, là, il fait beau. Quelle heure il est? Je vais pas regarder ma montre, je vais faire F4. Ah, peut pas. Ok, bah, regardez la montre quand même. Yelle. Ça, c'est bon. Attendez. Quelle heure il est? Je vois pas grand chose. Alors, il est 6h. 6h, presque 6h05. La pluie est prévue pour 9h. Donc, on a 2h avant qu'on se fasse embêter par la pluie. Parce que oui, vous avez les prévisions météo, hein, pour éviter justement ces trucs de cauchemar. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'est surtout les plans de ligne pour savoir qui fait quoi, ce qu'ils font au total, quoi. Vous voyez qu'on est surtout sur de l'industriel à HB, même du militaire. Tandis que si vous allez à la ferme, vous allez voir que ça va être que des produits agricoles. Bon, ça paraît logique. Si vous allez à Oil Machin Center, mais voilà, ça va être surtout carburant, etc. Et nous, on doit déposer tout simplement... Ah. Alors, c'est où? CCC... comment ça s'appelle? Non, c'est pas Good Factory, ça, c'est Food Factory. Usine agroalimentaire et ville. Donc, on est à Machine Factory. Oula. Wow, en plus, il va falloir monter, hein. Parce que là, les chemins que je vais emprunter via le nord. Je vais... Ah non, mais je suis un ouf, moi. Ça va aller, c'était la début de journée, fin de journée, je sais pas trop. Va falloir partir dans un endroit plutôt simple. Moi, je vais prendre... Donc, on va partir de Harbor par là. On va prendre ici, direction là. Tac, 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 tac. Et on va arriver sur Food Factory. C'est faisable, c'est même pas embêtant. Donc, let's go, hein. Il faut partir tout simplement vers l'ouest. Alors, on va prendre déjà ça. Bon, je prie un petit coup. Voilà, histoire de dire... Oh, ça pue du fiac. Et c'est quoi qu'on transporte comme matière dangereuse? Parce que là, ça peut prendre la flotte, ça peut prendre feu. S'il y a de l'orage, je m'y arrête. Hein. Parce que j'ai déjà eu le cas chez quelqu'un qui m'en a parlé, qui a pris la flotte. Et boum, ça a pété. Alors, on doit aller en D60. D60, nous, on est à la petite maison dans la prairie. Enfin, la petite station dans la prairie. Alors, la station... alors, attendez. On va monter dans les airs. Je suis un petit peu après le tourniquet et à travers ce truc là qui sert strictement à rien. Enfin, la voie de garage, je la vois. Ah non, c'est peut-être une voie de... Là, nous on doit se trouver, vu que c'est celui-là, ouais, ouais. On est à côté des D, hein. C'est ça. Hein. Là-bas, ça doit être D. Ouais, là-bas, ça doit être D. Ouais, c'est ça, D, ouais. C'est ça, en gros, les voies plus proches de nous, ça va être les D là-bas. Du coup, on est là. On doit aller en... Je crois que c'est D en plus. D60, hein, D60, en vrai c'est pas un... Enfin, D6O, c'est pas un 0. Je vais y arriver, hop, en D. Alors on est là, les trains ils sont devant nous, il va falloir aller à plus à droite possible, hein, je crois. Attends, j'ai du mal, beaucoup de mal à me repérer. Je crois que c'est bon parce que là c'est un P ça, non? Il y a même pas de chiffre dessus. Bah je pense que c'est un P et 2 P parce que ça a l'air d'être petite voie celle-là. Et vu qu'elles sont pas précisées forcément sur la carte... Je peux regarder après de la carte, mais bon, on voit pas grand chose. Ouais, ça doit être ça, puis ensuite là-bas on a une ligne, ouais c'est ça. Donc moi je suis à l'intersection, les locks sont... elles sont là mes locks, elles sont par là. Je sais pas, je crois qu'elles vont en G, je pense. Ah, le problème c'est que si... je sais même pas, attendez, j'ai du mal à m'opérer là, beaucoup. Je crois que D ça va être là, faut que je fasse ça. Et 6-0 sera où quand on vient de... On vient d'où? Il y a l'eau au sol. Et l'inventaire, c'est une dinguerie, hein, par contre. Tchac. Alors, on vient. On vient du sud-ouest. Alors. Hop, on va y arriver. Alors, on doit aller en D. A, B, C, D. Ah bah voilà. Il n'y a pas de C? Ah, si, si. Alors, D, S60, on vient du nord. On peut venir que du nord, d'après ce que je vois. Ah bon? On peut venir que du nord? Ah non, je suis bête, c'est sur la même truc. Ouais. Ah oui, on peut venir que du nord. Bah si on vient du nord, pour D, ce sera droite, puis ensuite gauche. Donc droite ici, puis gauche là. Et puis c'est rail là, et après on repart. Let's go. Allez, on y croit ou pas.
Alors je vais essayer premièrement d'allumer tout ça. On va à droite, c'est ça que je disais. On va tenter la droite parce que j'ai l'impression que mes locks elles sont là, je crois. J'espère. Comme ça, si je continue tout droit là-bas, là, ce virage-là, je vais finir en D. Bon, bah, let's go, on teste hein, le tout pour le tout. Marche avant, hop, on se met fano en. Attends, feu arrière, ça doit être inversé. On va regarder un peu tout ça. Ok, feu arrière, rouge. Oh yo yo, 3 locks. Elles sont toutes les 3 démarrées. Ouais, c'est bon, je voyais pas le gazole. Vas-y, c'est parti. Ah, par contre, non, tout est bon. Normalement, ça devrait le faire. Bon, faut laisser tranquille d'y aller parce qu'elles font quand même 80 tonnes. Droite, puis droite, c'est ça? Droite, droite. Excusez-moi, j'ai utilisé la souris. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Mais bon, droite, droite. Oups. Ah ouais, c'est droite, droite. Et j'arrive sur les voies de D. Et sur D. Après, ça va être droite, puis gauche. Droite. Ah non, c'est bon, on y est. On les voit. Oh, il y a du monde à la ferme, les gars. D6. Oh, c'est bon, on s'en approche. C'est beau quand ça bouge. Ouais. Je suis un de ces tarés qui aime voir les trucs bouger. Alors par contre on arrive un peu à tantiner vite. Hein. Alors on les laisse y aller pépère. On va commencer. C'est bon, ça le fait. Let's go. Oh non! Mais non, mais. Qui a pas mis le frein à main? J'y suis allé peut-être un peu brusque aussi. On va à 2 km/h. Attention parce que c'est quand même des matières dangereuses, les gars. Faut pas taper très très fort, quoi. Merci d'y aller doucement. Et en plus, faut aller pas trop loin en fait. C'est pas le problème d'être trop loin, c'est qu'après il va avoir de la flotte. Why? Je vais quand même regarder si j'attelle les bonnes. Déjà, je vais desserrer ça. C'est bon, c'est desserré. La première, c'est où? Col 534. Parfait. Et la dernière. Alors, la dernière, c'est col 488. C'est bon. C'est du diesel, non? Ça peut faire boum boum ça. On vérifie que c'est bien desserré. Perfect. Alors c'est toujours ou la première ou la dernière qui est desserrée. Ce qui est bizarre. Alors, ça c'est attelé. Let's go. Aïe 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 aïe. Ça pue du fiac ça. Les phares, on les voit même pas. Ah oui. Ah on y voit mieux. Je vais pas me mettre non plus en plein phare. Mais il est quand même 6h du matin. Je sais pas. Le soleil, il est où? Où il est le soleil? Par contre, je vais pas fermer la porte. Je me suis barré mais j'ai pas fermé la porte de la loc. Hep hep hep. Je veux pas d'intrus dans mes locomotives moi. Le mec il va fermer la porte mais il passe jamais à travers les portes. Alors on va sortir de là. Alors on sort par là. Waouh, attendez, c'est Food. C'est Food Factory. C'est pas ça que je veux pas fou, c'est ça, hein, c'est bleu. Attendez, j'ai peut-être une meilleure solution. Mais je crois qu'on est embêté parce qu'on pourra pas en vrai. Je suis en train de regarder un peu voir alors. Parce qu'on peut partir peut-être par le sud, ce qui sera beaucoup moins embêtant pour on va se taper un peu moins de champs, de chemins un peu pareil. On va surtout trouver des chemins un peu différents. C'est ce que j'ai jamais fait encore. En plus, cette ligne-là, je l'ai jamais faite. Comme ça, je fais tac, 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 tac. Et après, je crois que c'est de la descente. Tac, 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 tac. Là, ça peut se montrer intéressant. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais il faut partir via le sud. Et je regarde. Oups. Alors, je regarde si c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Non, mauvaise pioche. Enfin, c'est vers le sud, c'est vers l'est du coup. Ouais, c'est ça. Du coup nous on est en D mais on peut pas aller du tout à droite. Alors la technique pour partir vraiment de l'autre côté à ce moment là ça aurait été sinon d'emmener les locks de l'autre côté à la limite. Il y a moyen ou pas? Je crois attendez. Ah, voie libre. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Je crois pas. Ah si, ça se rejoint au bout. Ah bah si, bah, c'est ce qu'on va faire. Je vais désatteler les locks, c'est rien. C'est pas grand chose mais au moins les gars. Pff, ouais, que je le mette ou pas. Alors,
Désolé les gars de vous faire perdre votre temps, mais je suis en mode réflexion totale. Regardez, hop, là on va tirer les wagons avec le truc de frein. Nickel. Le boyau de frein. Alors on va devoir faire un petit détour, excusez-moi, mais c'est plus simple. On essaie de se dépêcher quand même. Je crois que la vidéo va durer 40 millions de minutes. Elle dure déjà 20 minutes. Alors, il y a un truc que j'avais comme idée, mais bon, j'ai un doute quand même par rapport au droit d'auteur, c'est les boombox, parce que sur le jeu, on peut mettre des boombox, donc on peut avoir la radio normale, mais aussi mettre tout simplement des cassettes, et je ne sais pas si les cassettes sont des sons, comment dire, copyright ou non, en fait, c'est ça la question, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est des sons propres au jeu, hein, littéralement, ce qui est probable pour la plupart des jeux aujourd'hui, ils ont chacun leur son qui provient de chez eux. Alors, faut que les trois locks... Bah, tout ça est quoi? Amstram, gram, pique, pique, colle, gram. Voilà, nickel. Comme ça, on peut freiner là? C'est où qu'on freine? Ah, c'est là. Freine. Impeccable. Mais pourquoi? Alors, attendez, il y a un problème technique. Et. Ah, c'était inversé. Bon, bah, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça déconne un peu. Quand on met trop de lock, ça aime pas. Je sais pas du tout à quoi ça sert ce truc. Alors, hop. Désolé, j'utilise la souris, mais bon, pire des cas. Ah, par contre, j'ai pas beaucoup de lock là pour aller. Je vais dans un tiroir en fait, un genre de tiroir pour pouvoir choper le truc du bon côté, mais bon. Alors, c'est bien ce que je vous disais comme bonne technique à utiliser, c'est de mettre les... un bout de nez ici et un bout de nez au bout, comme ça, chaque fois que vous voulez choper un côté, vous êtes bon. Parce que oui, il n'y a pas la possibilité d'avoir deux sièges dans la même locomotive. J'ai un peu chaud, je sais pas vous, on va mettre la clim. Pas de petit mot qui fonctionne. Et ça en fait du wagon. Et j'ai vraiment un doute hein, sur le tiroir s'il est assez profond. Ça se trouve que non. Attendez. Oh, ça peut être chaudard. Ah, les trois locks elles sont tellement longues, les gars, j'ai un doute. Franchement, j'ai un gros doute. Ça se trouve, ça passe même pas. Oh là là, je le sens pas. Attendez. Ça peut passer si je vais toucher le taquet au bout. Enfin, c'est pas un taquet, c'est un tampon. Enfin, comment ils appellent ça? J'ai oublié. Je travaille dans les trains, mais j'ai oublié comment ça s'appelle ça. Bon, par contre, on va commencer à piler, mon copain, parce que là, droit dans le gros bois. Ah, j'ai vraiment un doute. Mais genre, vous voyez le gros doute que vous vous souvenez? Aïe, ça tape. Eh les gars, c'est magnifique, non? Ah, ça passe? Aïe! Ah, ça, eh, ça peut passer. Ça va passer. Moi, je m'en fous, je force, ça va passer. Je vais te toucher un peu, mais c'est pas grave. C'est pas le train de mon père. Ça y est. On est à fond. À toucher. Ah ouais, mais ça va être chaudard, parce que c'est la limite, hein. Des fois, ça passe pas, ça. Je pense qu'on est niqué. Pardon de le dire comme ça, mais... quoi qu'on n'est pas vraiment, vraiment dans le... Dans, ouais, si on est vraiment, vraiment dans, ouais, dans le caca. Non, faudra envoyer une lock toute seule. Ouais, non, je vais essayer. Si ça passe pas, bah, dommage. Bah, c'est quoi ce bordel? Ça déconne un peu. Bon, ça, c'est un petit truc qui déconne, mais c'est pas... Mais il est quelle heure? Du soir? Attends, mais ça se trouve qu'il est 6h du soir, pas du matin. Elle est où, la... c'est peut-être PM par AM. Oh, shit. Alors, ça c'est good. On teste, on voit. Impec. Bon, on tente le tout pour le tout. Je sais pas s'ils ont prévu le coup. On l'espère. Elle va à droite. Elle y va. Ah, dommage. Hop, hop, hop. Problème, problème, problème. Non, t'entends derrière. Dérailler. Non mais c'est bon, on n'a pas besoin de dérailler, c'est bon. Ouais bah j'ai déraillé. J'avais même pas que c'était possible à faire ça. Elle est partie en drift. Alors là je suis obligé, attends, où elle est? Attends, elle est partie en drift la loc. Donne ça. Besoin de lumière. Moi. Oh les gars, elle est partie en drift. Elle est partie en drift la loc, gros. Elle est en travers dans le virage. En plus, c'est même pas des bêtises.
Regarde, lui il est là. Lui il est là. Bon, on arrête les bêtises, c'est bon. Alors. C'est gratuit en plus, autant en profiter. Ok. Non, pas retrait. Non, 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 annulé. Yeah. Niette. Et enraillé. Elle a pas des. Ah, retrait. Visez le véhicule que vous souhaitez retirer. Mais je veux pas retirer de véhicule. Oui, une LED, mais. Aiguillage. Elle a pas déraillé totalement, genre. Bah, si je veux la faire dérailler, faut que j'aille jusqu'au bout. Bon, bah, on continue, hein, puis c'est tout. Faut la faire dérailler. Parce que je. Yo! Vous savez quoi? Au pire des cas, je vais essayer de la remettre sur les rails comme ça. Je vais la laisser y aller toute seule. Et au pire des cas, j'arriverai peut-être à la remettre sur les rails. Ça va taper fort, hein, par contre. Je sais pas si elle a été remise sur les rails. De toute façon, ça a l'air mort de chez moi. Il n'y a pas. Bref. Allez, à 1 cm près, les gars, ça passait. On va pas supprimer ça. Moi, je l'enlève. Hein. Oh non. Je me suis fait brer après ça. J'espère juste que ça va passer parce que là, je crois que je suis dans la limite du déraillage. Je viens de perdre 10 minutes. Bon, allez, non. C'est dommage, franchement c'est dommage. À 1 cm près, vous l'avez vu, ça pouvait passer, mais à la place on a drifté. Voilà. Parce que vous verrez jamais sur des rails vallées une locomotive qui drifte. Bienvenue. Je me demande si ça va pas être le titre de la vidéo. Ça. Non, on va attirer les gens quand même pas avec ça. C'est un peu à clic. Ouais, je le dirai pas, j'évite de dire les gros mots. Sinon tu te fais striker maintenant. C'est ennuyant sa musique, bordel. Enfin, après, pour moi, non, parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos, mais pour vous, heureusement que je tape à Discord, sinon, peut-être un peu trop. Sinon, c'est pas grave, hein. C'est pas ça qui va vraiment m'empêcher de faire demi-tour. Je vais vous montrer ma deuxième stratégie, c'était mon plan B. Enfin, techniquement, mon plan A avant que ce soit mon plan B. En gros, on revient là, je vous explique, ça va être un bail de fou, quoi. Bah, non, c'est n'importe quoi, mais c'est... Non, c'est pas possible, j'étais en train de réfléchir à un autre truc. Ouais, non, ce sera abusif. Faudrait aller là. Attendez, on la voit où là? Attendez. Là, hein? Là. Ah, mais le problème, c'est que si on va tout droit. Ah, c'est le bordel. Sérieux, c'est un bordel monstre. Bon, on va être obligé de partir vers l'ouest, hein, sinon c'est pas grave. Hein, parce que là, sinon, mon plan B, c'était de foutre ça là et de repartir. Sauf qu'on peut pas. À moins qu'en C, il n'y ait rien pour pouvoir faire mon demi-tour. Mais bon, il passe pas les trois locs au bout. Excusez-moi, bon, on part en sud, désolé. Il n'y a pas moyen de rattraper mon chemin. Je vois que dalle. Il y a moyen de récupérer mon chemin. Ouais, mais par contre, non. Attends, c'est quoi à la limite du derrière? Bah, un sugar est trop vite, Coco. Impeccable. Alors, bon, j'étais en train de regarder. On peut reprendre le chemin, mais en fait, il va y avoir un bug au bout d'un moment. Si vous regardez ici, il y aura un bug. Parce qu'ici, en gros, on pourra repartir qu'en marche arrière. Et je me vois mal faire tout ça en marche arrière. Sauf si j'ai la télécommande, mais bon, je me vois mal faire ça, surtout avec matière dangereuse, et en plus, je fais tunnoyard. Dans le noir. Attends, petite seconde, je vais où, là? Mais c'est pas derrière les rails. Oh. Et re les gens, désolé, je sais que vous vouliez une vidéo complète, sauf qu'il y a eu du foirage total, tout simplement. Hein, excusez-moi, il y a eu du foirage, du début à la fin, en fait. Je suis parti sans rien, en fait. J'ai commencé à partir sans les wagons, quoi. Donc je me disais qu'il y a mieux à voir quand même que ça. On n'a pas attelé. Oh brin. C'est vrai qu'il n'y a pas le... C'est vrai qu'il n'y a pas le frein. Là on va pouvoir y aller tranquillou, pépouze. Donc désolé si vous vouliez vraiment du continu, mais là j'étais obligé de faire une éclipse. Voilà, on pousse, c'est good. Alors, je vais mettre de l'autre côté. Yep. Allez, let's go. Ah, il n'y a déjà plus de batterie, génial. Ah, si, on peut le faire aussi comme ça, la souris. Ah oui, ça se connecte pas. Voilà. Pas étonnant. Allez, let's go. Alors, c'est où qu'on... On va desserrer tout ça. Bon, on part comme ça et c'est tout. Hein, parce que là... Alors, si vous voulez pas avoir de bug...
What the fuck? Waouh, il y a eu un bug. Oh, il y a eu un bug. Donc je disais, si vous voulez pas avoir de bug, changez de réversibilité, donc l'inverseur, changez-le de quand vous êtes dans la lock, même quand vous avez trop de lock. Parce qu'au bout d'un moment, le jeu il pète un câble, il fait t'as fait quoi là? Voilà, il bégaye, ouais. Allez, c'est parti, on parle de la matière dangereuse. La flotte est prévue pour 9h. Attendez, c'est où on a du poids? On a les freins. Il n'y a pas l'air d'avoir de freins. À moins que... Je peux faire le tour de mes locks, regarder les freins. Elles sont démarrées toutes? Oui, elles ont l'air. Good. Désolé, je suis obligé de faire le tour de mes locks parce que je fais de la daube. Alors. Elles sont toutes les deux roides démarrées. Alors, une démarrée, deux démarrées, trois, huit. Oh, il va y avoir du monde derrière. Il y a du monde à la ferme. Sauf qu'on n'est pas à la ferme. On voit un peu de pêche, j'ai l'impression que c'est tout compatible. On met un peu de sable pour essayer de... Alors là c'est un petit peu plus hard, mais beaucoup plus hard. J'ai même un doute, franchement, si... Attends. Je vais utiliser ma calculatrice parce que là j'ai un doute quand même. Genre, un doute. Là on est bon, on peut aller jusqu'à un quintal. 1300 tonnes en moins, 1300 tonnes au total. Attends, on va pas trop froid. Oula. Attends, tu peux t'arrêter, copain. On va mettre les feux un peu plus profond. Ok, let's go. Là, ça va être... Là, il commence à pleuvoir, donc il doit être 9h. Il va être 11h, c'est ça? Il est 11h passé déjà? Non, 10h passé déjà, non? 11h passé. Est-ce que je comprends rien cette horloge? Elle a un pépin l'horloge. Attends, ah non, c'est le rouge. Pourquoi je regarde le rouge? Je sais pas pourquoi je... Ah, attends. Ah, ok. Ok, la rouge, c'est un chronomètre en fait. Il est 11h... Enfin, il va être 11h bientôt. Là, il est 10h moins... 10. Ça passe vite le temps dans le jeu, bordel. Je viens de capter en fait les minutes à quelle vitesse elle passe. Je vais mettre l'horloge là, mais moi je vous le dis, elle va pas rester. Et de toute façon, ça va pas aller loin tout ça. Hop, let's go. Non, ça on s'en bat les steaks, mais genre royal. C'est ça qu'on a besoin. Alors vous voyez rien, je suis vraiment désolé les gars qu'il fasse nuit. Un peu dommage même. Mais bon, si on veut 100 000 balles d'un coup, c'est ce qu'il faut faire. On en fait deux comme ça et on pourra s'acheter la loc. Ouais, il y a du monde, hein. Ça se voit. Par contre, j'ai pas mis le rouge. Je pense sincèrement avoir le temps. Ouais, j'ai le temps. Bon, vous allez me détester, mais bon, go. Yo! Attends, il est où le dernier wagon? Waouh, le dernier wagon, il est où? Hop! Ah, c'est bon, je suis attrapé. Attrapé. Je vois que dalle. Attends, allume la lampe. Ouais, nickel. Allez, allumé. Allez, hop. Wesh. Nickel, chrome. Bon, maintenant, on remonte à la lock. Lol, 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 lol. Oh là, tu vas où? Tu vas où? Hop. Le mec, il est barjo. Putain, vous voyez la longueur de train, vous? C'est déjà pas mal, hein. C'est long 2, hein, je crois, déjà. C'est pour ça que ça paye. Attends, c'est bien ça, hein. Je suis pas fou. Ah oui, long 2. C'est pour ça qu'il est bien plus lourd. Oh, ça va le faire. Oui, oui, oui. Faut pas s'énerver. J'ai même eu le temps d'aller chercher et de remettre la lampe. C'est 50 donc vous pouvez y aller. Donc vous attendez pas non plus à des vitesses folles hein, les gars. Vous risquez pas d'en voir en tout cas. Donc là je connais plus ou moins la route, ça va être droite puis ensuite. Ah peut-être c'est faisable en fait. Attendez, je suis en train de réfléchir à un autre plan B. On va mettre un petit coup de sable. On va arriver par là, donc si je... là c'est mort, mais si je passe par SM, ça peut le faire, mais je sais pas si c'est de la montée. Je sais que c'est de la montée de l'autre côté, hein. Par contre ça va être clair, vers là c'est de la montée je crois. Du coup on va passer à droite je pense, on va faire ça, attends je regarde, c'est 40, bon c'est bon, la vitesse à laquelle j'arrive. Donc là ça va être à droite, puis ensuite à gauche, puis
continue ensuite droite et puis on continue sur la route et paf paf paf. Apparemment, je crois qu'ici ça va être chaudard, mais on va voir. Le tout pour le tout, les gars. On peut monter un peu. Le moteur supporte. Que dalle. En fait, c'est... on va faire comme ça, on y voit mieux. Jour, nuit, jour. Attends, elle est ouverte la fenêtre ? Même pas. J'y vois que dalle. Je vois pas plus de 2 mètres devant moi. Oh. On voit même pas les wagons, les gars. Attends, on va voir du rouge. Si. Regarde la longueur. Regarde la locomotive où elle est. Regarde les wagons où ils sont. Ça va pas cré-cré vite tout ça. C'est 40. On peut envoyer du lourd. Si je peux dire du lourd. On est lourd, mais je peux pas envoyer grand chose. On met un peu de sable. Histoire d'aider, mais j'ai l'impression que ça change que dans la malaise. J'avais jamais fait, mais je crois qu'elle va glinguer. Ouais, elle glingue. Elle a chaud. T'inquiète, t'inquiète, je vais remonter. Là, à droite. Oui, à droite, c'est 40, ça va. Je vais à 30. Ah, mais elle est montée, je vais chier. Pourquoi d'ailleurs ça galère comme ça? On dirait que j'ai pas de pêche. Pourtant, les trois logs sont en longueur, les gars. C'est dès qu'on passe un taquet, un aiguillage. C'est 70, ça va avoir loin, on va attendre 70. Je crois qu'on va attendre à 30 km/h, c'est pas mal déjà. On vise 40. Ah, ça monte, ça y est! Ça y est, ça y est, ça monte, c'est bon. Ça monte tout doucement. Ah, elle en chie. Elle en chie fort, les gars, je suis désolé, mais. On va pas créer très vite, hein. Mais elle est énorme. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais les wagons sont encore derrière. Hein. Ouah. Ils sont les wagons. Ah, je voyais le point rouge là. Point rouge là, lock là-bas. Et je suis en vue très loin. Bah, ça bip, ça y est. Bah là, on bouffe de lui, quoi. Sauf que je suis obligé un peu. Je vais décélérer un chou pour qu'elle décélère un peu, sinon ça va bouffer de l'huile. J'adorerais avoir du plat. Je sais même pas si je suis sur du plat, je crois pas. Je crois que je suis en montée. Genre à 0,4, un truc comme ça. Alors j'espère que le son c'est correct, hein, les gars. On essaye. C'est 40. Je suis à 35, franchement. Même si j'accélère en ligne. Elle veut rien savoir. Genre le long 2, c'est le long 2. Quoi. C'est parce qu'on doit autant monter. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ah, il y a 70 ans. Je crois que c'est de la descente. Hein. Non, de la montée et de la descente. Alors là, on va. J'ai dit sur la gauche. C'est mieux sur la gauche. De toute façon, sur la droite, on va être. À la fin, on atteint les 40 km/h. Alléluia, alléluia. C'est bon, ça passe. C'est 70. Et après, j'ai vu que ça passe à 50. Donc, il y a des mots. Après, il y a un manuel là-dessus, je crois. Je vois absolument rien du tout. Décélère, elle va ralentir. Même pas. On est sur du plat. Ah, si, un tout petit peu. Là, on doit être à 50. Ça devrait le faire. On est dans la côte. On n'est pas encore arrivé. Je vais essayer d'envoyer un peu. Elle va monter à 45 km/h. Ouais, ça monte tout doucement. C'est pas la lock non plus la plus puissante, mais c'est une bonne lock quand même. J'arrive à attendre les 45, 50 avec une petite DE2, j'aurais pas été loin. C'est Bibi qui vous le dit. C'est vraiment dommage qu'on ait pas de vue extérieure, il fait trop nuit, quoi. Oh là là. Ah, oh, c'est joli, vous voyez le plein phare en fait qui est allumé en haut. C'est joli. Bon, on voit pas les wagons. Je sais pas, peut-être que vous le verrez, à moins que petite seconde. Ein. On peut pas. Dommage, sinon j'aurais augmenté. Ah, peut-être. Peut-être. Non, ça non. Ouais. Bah non, en fait, non, que dalle. À moins que télémétrie. Non, c'est test de traduction.
Non, il n'y a pas de possibilité, les gars. Je voulais voir si c'était possible d'ajouter un peu de luminosité à tout ça. Ah, ah. Bon, par contre, c'est 50, un peu peu. N'en abuse pas. Parce que je dois voir comment ça s'approchait gentiment. Genre, elle frôle le 50. Bah, ça va être 40, ça tombe bien. Ah non, 60. En même temps, le panneau, il a moitié mangé. Ah, c'est joli. Une. 2, 3, bon. Je vais pas toutes les faire, il y en a beaucoup, les gars. Je sais pas surtout à combien je vais devoir aller après. Alors, 40, je vais devoir 40. Oui, 40. Cesse d'accélérer, on met un coup de frein moteur. Et faut aller à gauche, hein, j'ai dit. Et ça, c'est gauche. Hein. Oui, on va être à gauche. On la laisse décélérer tranquillement, paisiblement. Ah, oh, c'est joli, le bruit moteur, franchement. Les gars, je vous le dis, ce jeu est une perfection en ce qui concerne le réalisme. C'est dingue. On met toujours sur du rail, là. On va augmenter un peu la vitesse, pour remonter à 40 quand même, parce que c'est pas non plus une vitesse de pointe. Hein. Ça avance déjà, c'est déjà ça. Hein. Et là, on va choisir. Gauche, c'est 70. Ça. Je vois pas surtout où je vais aller. Gauche. Et c'est impeccable. C'est carrément impeccable. YOLO. On voit que dalle. C'est vraiment dommage. Je ne vois rien, les gars. Je peux même pas vous faire des sacs. C'est 70. Mais... oui, t'as chaud, je sais. Calme-toi. Désolé si vous entendez les bruits de ma clope, les gars, je peux pas faire. Mais par contre, j'ai aussi de personne au fond. Je précise quand même. Comment on voit une. Alors là, petit passage. Il fait jour dans combien de temps? Ma montre, elle est où? Oui. Ah, il était posé là. De toute façon, tant qu'elle monte. Attendez. Niette. Niette. Elle est tombée où? Elle est là-bas. Il est bientôt 1h du matin. Écoute, ça passe vite le temps. Il m'en faut, je sais pas combien. Oh, on monte à 45 km/h. Waouh! Par contre, viens là, toi. Dans le move. Et toi, ralentis, cocotte, parce que sinon, il va surchauffer et après, je vais payer l'huile. Ça coûte cher. Mais je vais surtout payer pour le drift de tout à l'heure, pour les gens qui l'ont vu. Voilà, je sais pas si je vais le laisser. Peut-être je vais laisser la vidéo complète. Juste accordé, je sais même pas, franchement, vous verrez, c'est la surprise du chef. Ouais, on voit rien, chef. On voit mieux que ça. Attendez, on a. Non, je crois qu'on avait encore un phare et c'est terrible. D'ailleurs, c'est génial. Quand on voit que dalle, quand t'es assis là, lui, te mettre ici. Par contre, c'est 70. Ouais, c'est bon. On voit la dose, papy. Elle monte encore à 55 km/h. Je suis plutôt étonné, franchement, je suis en étonnement tout le temps. Je suis resté debout parce que je vois que dalle. Genre la prochaine vitesse, je la verrai pas. Quoi. Genre on va arriver à 70 et d'un coup ça va dire c'est 30. Et là tu piles. Et non. Pas de vitesse. Oh, oh. Par contre elle monte beaucoup là. Genre à 60 km/h. C'est 70, hein. Je suis pas fou. De toute façon là, le chemin est long. On peut l'envoyer. Elle l'envoie dans les champs. Donc comme je disais tout à l'heure, elle est où? Capote? Je crois que je l'ai vu partir, mais je crois que j'ai récupéré dans l'inventaire. Voilà, 70, c'est pas mal. Ouais, attends. Tiens, refroidis un peu, Coco. Par contre, on arrive à 70, Coco. Yo, je suis en train de capter en même temps. Oh, c'est 80, mais tranquille. On voit la pointée. Quand t'as fait un bruit de diesel, roulou. Ah ouais, non, moi je l'ai paumé. C'est quoi ce bordel? Je cherche la boombox. Par contre 80, j'oublie pas. Elle est où là? Ouais, attention. Ah c'est 120, on peut envoyer, mais le problème c'est qu'elle chauffe vite. Au pire des cas, je vais lui mettre un cran en dessous. Mais elle est où ma boombox? Oh j'ai perdu la boombox. Oh shit. Non. Mais non mais j'étais baissé. On arrive à 90, oh c'est beau ça. Là, je fais une lampe en plus. Impeccable. Et le fanneau des familles qui fait plaisir. Par contre, la batterie,
Il n'y a pas de soleil pour la charger. Vous voyez, mono des familles, c'est 90 par contre. On va la laisser comme ça. On va la laisser ralentir. On va y aller en roue libre, ça va la refroidir correctement. Arbre. C'est combien là? 80. Mais c'est tranquille. Ah non, c'est pas tranquille. Oh, le frein moteur, il est génial. Il est génial. Franchement, je mets un coup de frein moteur, il n'y a plus personne. Maintenant, c'est combien? 70. Bon, on descend. Regardez la vitesse à laquelle ça descend. Vous voyez la vitesse? Ouais, quoi, j'essaie à chaud, mais en même temps, tu sers à ça, quoi. T'es un frein moteur ou quoi? Ah, oh, c'est génial. C'est génial. Genre, en plus, j'ai pris une route qui avait l'air plutôt safe. Et encore, vous avez pas tout vu. Là, c'est vraiment que le début. Ah, bah voilà. On voit la fond. Hein. Le moteur, il chauffera un peu, mais il va freiner correctement. C'est bien, il fait bibi au moment où on l'arrête. Impeccable. Qu'est-ce que tu veux rêver de mieux? Moi je vous dis, ça va chier des boules. Je sais pas si je peux le dire, je sais pas si c'est vraiment un gros mot, chier des boules. Bon. À cet endroit là, ça va. Mais là, ça va plus. Ici là, ça va être cacahuète. Genre, vous voyez mal, mais cacahuète ici. On voit toutes les bosses. Ah, 80. Oui. Ah bah c'est 80, on envoie des boules. Sinon, je vous aurais mis la boombox, c'est une idée. Et c'est 60, c'est génial. On est à 60. Elle fait quoi là? Elle bouge ou... Elle a pas l'impression de bouger beaucoup au niveau de la vitesse. Bon, moi je reste au poste comme ça. Fidèle au poste! Quête. Ah, par contre, tu vas te prendre le tonnerre tranquille. Hein. Mais pour l'essence. Carburant, ça va, on va pas trop consommer. Ça va être 60 et on va prendre en montée, je crois. Ah non, c'est de la descente. Ok, on la calme, sinon on va prendre la vitesse. Et là, on va arriver sur de la droite. Impeccable. Ah, par contre, on prend un peu la vitesse. Ah, bah, c'est 90, on va pouvoir y aller, les gars. On va aller jusqu'à là. Regardez, au niveau des jeux, je suis plutôt pas mal hein, au niveau de l'huile et tout. Bon, c'est bon, 80. L'huile, c'est bon, carburant, c'est nickel. Le sable, je l'ai pas trop utilisé. Et puis, au niveau des freins, ça se gonfle tout seul. Dingue. Il fait une noire. Il fait faire que une noire. Bah, il fait vraiment tout noir. Ok. Ah, t'as chaud? Allez, 10 secondes. Ça va le faire. Mais ça fait 20 minutes. Hop. 70. Bon, on pile. On met les freins. On fiche. Ah, le frein moteur, comme il chauffe. Bon, c'est pas grave, on met les doubles freins. On va freiner au moins. 60. Ça va être dur à repartir, je vous le dis. Ça va être tout droit, à droite. Niette. C'est bon. Et c'est 60 à droite, ça devrait le faire. Ah bah c'est 80 tout d'un coup. Ah non, 50, ça va pas bouger. Oh. Frein moteur stoppé, coco. Je vais l'utiliser au maximum une fois que. Je pense qu'il va atteindre les 50 en freinant un peu. Ouais, commence à chauffer. Impeccable, n'est-il pas? Non, je mets un petit peu de frein. Je vais mettre un petit peu de frein. Un pilet de frein. Alors là, j'espère qu'on va au bon endroit. Hein, parce que là. Oh! Niette! Ça passe! Elle est pas belle, la vie. Bien, bonsoir! On arrive avec beaucoup de monde. Yo. Je vais peut-être aller aux objets perdus récupérer genre mon truc. Je crois qu'elle est en filet de frein. J'ai mis un filet tout le long. Ça lague un peu parce qu'il y a du monde. Tranquille, ça va aller tout droit quoi. Ah c'est 60 en plus, je peux envoyer. Non, dessert. On va descendre toute seule. Alors là on peut peut-être voir le nombre de wagons. Oh yo. Il y en a pas mal. Franchement, il y en a déjà pas mal. Oh, le bruit que ça fait. On dirait qu'il y a un orage de fou. Ça va être combien? 60 encore? Mais c'est bon, ça. Et là, faut aller à gauche, par contre. Prochain. Mais je pense qu'il est déjà sur la gauche, parce que je l'ai pas touché depuis la dernière fois. Attendez, je le vois pas. Nine. Il est déjà sur la gauche? Bon, c'est simple. Hein. Il est sur quoi, là? Oh, non. Il était bien placé. Bon, bah, c'est 60. On peut la laisser s'envoyer, hein, je crois. C'est même 70, vous savez quoi?
On voit du lourd. Ah, en plus, on est en... Ah, on est en descente, ça devrait le faire. Je préfère la descente que la montée, perso. C'est plus facile à gérer. Je suis moins coincé parce que ça m'est déjà arrivé tellement de fois de prendre trop lourd avec la... Vous avez la petite DE2 pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Et pour ceux qui connaissent pas trop, allez faire un petit tour sur les séries. Sur la série que j'ai sortie déjà un petit peu, il y a... c'est pas mal expliqué franchement. J'explique justement, on voit un petit peu la petite lock que c'est et on voit la gueule. Par contre j'ai l'impression que ça frotte quand même. Non c'est bon. S'il faut je mets des coups de frein moteur à la limite des limites. Ouais, on va mettre un coup de frein moteur. C'est pas grave, on est un petit peu en dessous. Mais ouais, t'es un petit peu en dessous que un peu trop dessus. Ça risque le déraillage, ça fait vrai. Le déraillement. 80. Ah, je suis vraiment dégoûté les gars que vous ayez à voir ça en mode mission difficile en plus, mais de nuit. Ah, c'est pas grave, je vous en ferai une pour le prochain épisode. De toute façon, il va falloir se faire de l'argent. 70, c'est parfait. Okay. Elle monte assez facilement en vitesse parce qu'on est en descente. Sinon, ça ferait pas la même chose. Ça cling cling cling. Ça cling cling. Ça cling cling. Oh, on voit tous les wagons derrière. Oh yo yo. Oh, y en a du monde à la ferme. Par contre, c'est toujours 70. Hein. Ah, c'est ça en même temps. Bon, on peut y aller. Ah, je vais l'envoyer. Enfin, si elle veut. Je vais pas la faire souffrir non plus. On dirait la DE2 des fois. La DE2 elle était bloquée à 70 je crois avec des wagons des fois. 70-80 et c'était de la descente. T'as dur d'atteindre 90. Bon ça dit quoi? Ça dit qu'on a fait plus de la moitié du chemin. Ce qui est pas mauvais. Ouais, c'est ça, on peut y aller franchement. Allez, on voit le paquet. On est à 75. T'entends gueuler. Ouais. J'ai qu'un seul écouteur, mais j'entends bien. On est à. Oh. Fou malade. Oui, t'as chaud, je sais, t'as chaud. Tiens bon. Je mets un filet de frein pour te tenir tranquille. Le filet de frein comme ça, nickel quoi pour la pente. Tant que je descends. C'est bon, on est en descente, en roue libre, en plus ça coûte que dalle. Attendez que j'ai pas de mauvaises surprises. Non, ça devrait le faire. Ah, je vois que dalle, c'est vraiment dommage, j'aurais vraiment voulu voir cette journée, ça aurait été magnifique. On y va doucement quand même, parce que c'est du matériau chaud. Genre faut éviter de dérailler avec ça, parce qu'à mon avis ça fait pas baboum. De toute façon, même si je déraille et que ça explose, je vous fais une vidéo et je vous la poste. C'est plus marrant quand même. On va voir l'intérêt. Yeah. Ah bah gauche. Ça. Yes. Je sais pas si vous voyez la carte, après ça sera. Ah bah gauche et puis gauche. Enfin ça va être tout droit en vrai, mais bon faut placer le taquet au bon endroit. Comment ça 70 quoi quand même. Ça fouette. Et 60, allez. On voit du lourd ma con. Ça passe. On est des pros ou on l'est pas? Matière dangereuse ou pas, ça passe. Après on fera peut-être les militaires. Mais d'ici là il faut de l'oseille, je vous le dis. Parce que pour transporter du militaire, faut au moins la plus grosse des locks. Alors là sur gauche, on est bon. Et 600 km/h, sérieux, mais on va envoyer d'où là? C'est nickel ça. Bon après 100 km/h. Ah non c'est 60, commence pas non plus à prendre. À prendre la confiance à l'IOT. À 60 pareil et là faut aller. Bah, de toute façon on peut pas choisir à ce moment là les gars, c'est normal parce qu'on arrive de l'autre sens en fait. On pourra choisir sur la prochaine intersection, celle là non, celle là ouais c'est gauche hein, c'est ça que j'ai dit, on va à gauche et c'est 70 donc on peut envoyer du lourd. On voit la potée maman le papi Jolo, on voit la potée. Mais c'est 60 fou malade. Non c'est bon ça, bon je suis à 55, le mec. Oh les gars j'ai vraiment pas envie de fondre tout ce qu'il y a derrière. C'est vraiment dommage qu'on voit que... En plus le paysage il était joli, c'est la première fois que je passe par là. Enfin non, je suis déjà passé par là pour la Good Factory, mais pas sur les chemins là-haut là, vous savez un peu... Les zigzags, là c'est 60.
Bon, on voit du lourd. On est à 50 quoi. On voit rien. Oh si, on voit quand même un petit peu les wagons, je pense que vous les voyez. Allez, on monte un peu la vitesse. On va le monter même un peu, on craint de traction. Pas trop dépasser les 60, c'est tout ce que je veux. À 60, on peut y aller. Et c'est du plus. Aïe, 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 de la montée, les gars, ça va souffrir. La souffrance, là, va pas falloir freiner. Et là, je rigole, c'est 40 prochains virages. Je passe ma souris, c'est par. Au cas où, parce que ça s'affiche les vitesses, c'est cool. Alors là, je relâche pas du tout l'accélérateur, parce que sinon, c'est capoté. Ah ouais. J'essaie de mettre le deuxième écouteur pour entendre si ça bouge. Non, tranquille, pour le moment ça va, je descends un peu de vitesse, mais bon. On voit que dalle. On voit que dalle. On y voit encore, mon vieux. Là, c'est un peu de montée, et là ça va être un peu chiant. Ça va être de la montée tout le long. Le moteur il commence déjà à chauffer un peu trop. Ouais, bah voilà, c'est ce que je disais. Oh, le beau paysage de nuit, c'est dommage. Franchement, je vous dis, c'est dommage. Ah, peut-être qu'on a de quoi faire passer la nuit. Il est 3h du matin. Génial. Je vois pas tout de suite le jour. Je crois que ça se lève à partir de 5-6h. On arrive quand même à 50. Hein. C'est déjà ça. C'est une montée, hein, les gars. Et là, à gauche, je crois que c'est que de la montée. Mais on va arriver direct sur Food Factory. Ça aurait été évité de faire tout le grand détour. Ça vous fait découvrir en même temps plus ou moins notre truc. Parce que vous voyez devant les projecteurs. Évidemment. Vous avez vu, il y avait de l'eau tout à l'heure. Là-bas, il y avait de l'eau. Vous savez qu'on dirait quoi? Au niveau de la forêt amazonienne, je vous ferai une. Non, je ne mettrai pas de photo, mais je pense que vous voyez. La forêt amazonienne, pourquoi pas? Non, je vous mets une photo pour voir la différence. Je pense que vous allez capter un peu si vous avez déjà vu des photos dans votre livre d'histoire. 60. On voit du lourd, Michel. Et là, va falloir aller à gauche. Yes. Alors, par là, j'y vais très rarement. Là, on va vraiment savoir, mais je pense que c'est de la montée. Non, c'est bon, on va pouvoir entrer direct sur Food Factory, mais on arrivera via le nord. Faut qu'on dépose tout ça. Ouf. La lumière, s'il vous plaît, chef. Bon, C6I. C6I, c'est où c'est? Allez, je me suis bien. Et quoi, t'as chaud? Oh, de bonne. On dérive. Kurva, match. C'est chaudard. On est parti à gauche, ça passe. Oh, je les déteste. Oh, je les déteste, j'ai flippé ma soeur. Non. Mais non. Les feux. Tu payes pas les feux, toi. Oh, j'ai cru qu'on allait derrière. Je sais pas si vous avez vu ce moment. Oh. J'ai vu le truc, j'ai vu 30. Je suis à combien encore, moi? J'ai mis tous les freins que j'avais. C'est tout. J'ai mis tout ce que j'avais comme frein. Toi tu viens là. En même temps, fallait s'y attendre, hein. T'as vu l'intersection? Non, c'est vrai que ça a l'air très. Et c'est. Bon, je me ferai pas avoir deux fois. Oh, j'ai cru que j'allais dérailler. Ça allait me faire brûler, je vous le dis. Alors, vous me direz, je paye pas encore les tout à remettre sur les rails. Mais en mode réaliste, vous payez. C'est 5000 balles par rail. Ah non, 5000 balles par wagon. Si vous avez mis tous les wagons là-dedans, avec un avant, je te laisse compter. Mais par contre, abuse pas aussi. Tranquille. Ah non, c'est 50, tranquille. Puis, je t'ai rien dit. Continue ton gros déo sauvage. Alors, je disais quoi? J'oublie où je dois l'évoquer. C'est C6I. Donc, sur les voies C, on va arriver via le nord. C'est juste en face. C'est génial. Mets les freins, plante les freins. Franchement, j'ai un gros doute sur les freins. Mais freine par contre. Freine ta race. Je crois qu'on est arrivé presque pile à 30. Ça va le faire. En vrai, ils préviennent quand même pas mal de temps en avant. Ça va, on a le temps de freiner. L'autre, non. J'ai perdu ma carte. Pente, non. Je suis pas d'accord. Je monte pas à plus de 30. Genre, on est en descente d'un coup. Mais, viens pas ce petit bruit là. Ah, c'est 50 maintenant. On va laisser remonter. J'en ai perdu ma carte. Alors ça, on s'en fiche. Orange. On a rien perdu. Rien ici.
On voit du lourd. Allez, papy. Non, en fait, j'ai besoin de ma carte encore. Ou pas, parce que le prochain virage, je sais où, on est. On s'est en face. Ah, bah voilà, c'est 30. Arrête d'envoyer du lourd. C'est 30, on t'a dit. Ils peuvent pas mettre Waze. Inefficace. C'est bon, les locks freinent plutôt pas mal, il y en a 3 en même temps. Je m'étonne que ça freine. Je me dis que sur jeu, heureusement qu'on n'achète pas les locks. En fait, tu payes juste la licence. Mais en vrai, heureusement que tu payes pas les locks. Si tu dois payer la licence et la lock, et à chaque fois que tu as des locks, ça coûte très cher. Déjà, les frais, c'est suffisant. Alors là, j'en aurais pour... Je pense que j'aurais pour quand même, parce que pour le drift de tout à l'heure, bah, je pense que ça va me coûter cher. Mais par contre, on t'a dit 30. Ah, le frein moteur marche là. Il fonctionne. On arrive ou quoi? Oh que oui, on arrive. On voit pas les wagons, c'est vraiment chiant. Hein. Ça, vraiment... Je suis deg. Franchement, je suis deg. J'aurais préféré... Oh bah, je crois qu'on est en plein phare, mais non, pas du tout. Non, tu peux arrêter de piler les freins, s'il te plaît, parce que là, on va atteindre 10 km/h et on va pas rentrer. Et c'est 50, et ça va être gauche, c'est bon, et après droite, je crois, ça va être en face. Les voies C, ouais, on les voit. Voies C, ça va être là. C6I, je crois, c'est ça. Mon avis, Rabibi. C6I. Ah bah oui, c'est ça. On fait ça. Et ça. 9, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Bon, on va quand même baisser un peu, parce que... Bon, on est bien, en vrai. 30-25 km, c'est cool. Normalement, on arrive pile devant C6I. Oh, quel professionnel, quoi. C'est juste magnifique. Regardez tous les wagons qui arrivent. Bon, je vais aller jusqu'au bout du panneau, parce que là, il y a du monde à la ferme. Regarde-moi ça. Ça y est, on les voit arriver, les wagons. Alors, je les ai pas vus de tout le voyage. Il quelle heure, en fait? 4h43 du matin. Non, mais laisse-moi tranquille. Il y a du monde à la ferme. Regarde les wagons, on les a toujours pas vus les fesses, encore. Ouais, ils sont pas tous rentrés. Ah, ça y est, il y a le dernier, je le vois. Je crois que je vais vraiment aller jusqu'au panneau. Et le panneau, il se trouve en face, je crois. On les voit, là, les panneaux. Je vais rentrer. Ouah, ah ouais, non, je suis obligé d'aller au bout du bout du bout du bout du fil. C'est bon, je le vois, le C6I. C'est bon, je vois le panneau. Le panneau est là. Je vais les mettre dans la lock, ici. Comme ça, je vais voir le panneau arriver. On peut pilanter les freins, ça y est. Ouais, je suis pas trop mauvais au niveau du panneau. Bon, par contre, faut aller regarder comment ça se passe. Est-ce que tout est rentré? Bon, oui, tout est rentré, les gars. Mission accomplie. Je suis heureux, ça y est. J'ai fait ma première mission. Los. Attends, on va les couper. Attendez quoi, je vais les donner mon contrat tout de suite. Je vais les donner le contrat tout de suite avant que je me paume. Bon, allez où la maison ici? Hello? Tu fais des appels de phare au cas où? Un truc vert qui clignote. Ah, vu. Ça fait la tour Eiffel. Ah, j'ai pas des attelés. Ouais. Je suis en train de me dire, il y a une sushi. Allez, hop. Là, je te sers. Là, mon ami. Amstram, ram, piqué, piqué, collé, ram. Ratatou, mais ratatam, Amstram et Gram. Perfecto. Allez, on peut y aller. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Là, ben. Let's go. Alors, on y est ici. Paf. Impeccable. On va lui donner le job. On a fait le job, chef. Mamam. On devait toucher 108 000. À peu près. 108 000. On touche 162 000. Mama, c'est bon, ça. Ça fait combien d'années, ça? 200 000. Oh, ouais. Me tentez pas. Je vais pas acheter ce qu'il faut. De toute façon, je peux pas. J'ai des frais. Ouais, j'ai des frais. On les fera pour le prochain épisode parce que là, l'épisode dure déjà assez longtemps. J'ai peut-être assez pour. La cocotte, c'est la DE6. C'est 200 000 et j'ai. Oups. Yep. Non, mais rends-moi ma souris. Rends-moi mon.
Ouais, j'ai assez. Quoique, si j'utilise 19 000, bah, disons qu'il faut pas se planter, quoi. Bah, vous savez quoi, au prochain, on viendra découvrir la petite DE6 des familles, hein, qui nous fera plaisir pour pouvoir poursuivre les épisodes de cette série, pour pouvoir ensuite passer aux matières dangereuses et autres bien plus dangereuses, genre militaires, ce genre de choses. Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'ils le fassent, hein, ici. Food Factory, ils font... où les Food Factory? Non, ils font du pain, du lait, du fromage, de la bouffe pour chat, des conserves et du carburant, d'après ce que je vois. C'est pour ça qu'on l'a déposé ici, carburant. Enfin, je crois que c'est du diesel. On va savoir pourquoi d'ailleurs. Ils ont des tracteurs ici? Parce que vu où ils sont placés, genre on dirait qu'il n'y a pas de route. Genre j'ai pas vu de route à part peut-être, même pas, peut-être sur HB, sur Arbor, sur Machine Factory. En fait, des grosses villes, j'ai vu des petites routes pour que les voitures puissent rouler, mais c'est que des villes pour des trains, quoi. Ça se voit. Hein. Allez, j'imprime mon rapport. T'as pas de papier? Tiens, papier. Plus de papier? Tiens, tiens, je t'envoie le fichier. T'as reçu? Tiens, je veux 5 copies. Impeccable. C'est tout? Elle veut pas assez de papier. Bah tiens, papier. Oh, je vais porter plainte. Il a cassé mon Mac. Bon, let's go, les gars. On va se mettre là-bas. Alors, je cherche, du coup, paf, paf, paf. Ah, les locks, elles sont là. Je vais les arrêter parce qu'elles tournent dans le vide. Alors. Quoi? La CGS baisse. Ah. J'ai oublié de mettre d'enlever ça. Yeah. Yeah. Et les goûts. Let's go. Mais je vous fais avec quoi? Je vais vous mettre la lampe torche. Impeccable. Genre je la pose ici. Impeccable. Et les gens, du coup, c'est sur cet épisode qu'on va se lisser. Non. Je fais pas ça. Et les gens, ça y est, ça en est terminé pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que les améliorations micro aussi vous auront plu et que c'est ce qu'il vous fallait, moins d'écho, etc. J'ai essayé de faire la discute parce que sinon le temps peut être long. J'espère que l'immersion était au rendez-vous malgré qu'il y ait eu quelques petites fautes. Après, il faisait noir, c'est pas facile de faire dans le noir et en plus il pleuvait. Bon, encore de la chance, on n'a pas eu d'orage. Mais bon, franchement, on était pas mal parti. On a réussi à faire un dangereux avec un train long 2. Donc matière dangereuse plus train long 2. C'est quand même du lourd, hein. On va pas se mentir, c'est du lourd, c'est pas mal. Avec 3 locks du coup au compteur, du coup au prochain épisode les gars, vous verrez sûrement la réparation de ces 3 locks ou pas. Ok, quoi? Ah non, c'est, il y en a combien ici? Peut-être au prochain épisode on va en mettre une quatrième, tiens. Non, on va pas en abuser non plus parce qu'au bout d'un moment le jeu il va bégayer, il va faire quoi, t'as fait quoi là? Non, je rigole, bon ça y est. Mais en tout cas au prochain épisode on va quand même faire les frais parce que pour pouvoir acheter la prochaine locomotive va falloir quand même faire les frais de celle-ci que je vais déplacer sûrement à bord, on fera ça à bord sûrement. On les fera réparer une à une et etc. quoi. Alors est-ce qu'ils ont un atelier ou pas? Ça c'est pas un atelier non. Nine, c'est pas un atelier ça. C'est juste un tourne. Ok. Alors... Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à partager, à liker et à commenter ce que vous en avez pensé. En tout cas, dans les commentaires, je vais lire vos commentaires parce que ça fait toujours plaisir de voir ce que vous en avez pensé, hein, évidemment. Je me doute quand même que vous devez faire des avancées sur vidéo parce que ça commence à être long. Bon, si t'as tenu jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à le dire dans les commentaires aussi. Comme ça, je saurai si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et ça me ferait extrêmement plaisir si c'est vraiment possible en plus. Malgré que je parle beaucoup, mais c'est quand même pour faire la discute parce que sinon, au bout d'un moment, il n'y a pas de musique. Mais en tout cas, pour le prochain épisode aussi, je prépare quand même pour voir la boombox que j'ai pas récupérée. Elle est où la boombox? Attends, on va récupérer la boombox. Où est la boombox? Là-bas. Objet perdu. Non, c'est à côté de la station. Normalement, ici. Hop. Et là, je vais récupérer ma boombox. Ah non. Oh non, 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 c'est pas un objet perdu ça. Ça oui. Ah oui, d'accord, ça en est. C'est cool ça. Yeah. Ça, on s'en fiche. Du coup, comme je disais les gars, prochain épisode, on va essayer. Enfin, je vais essayer de voir si les musiques qui sont à l'intérieur de la boombox, c'est-à-dire dans les cassettes en elles-mêmes. Donc, ces cassettes-là, je vais voir si elles sont
ou non copyright et je vous dirai quoi. Si YouTube les prend ou pas, et au pire je me ferai striker la vidéo et c'est ça qui fait qui serait un peu dommage franchement. Mais genre en mettre un petit peu, hein, pas sur tout le long terme parce qu'il y en a qui ça dit que ça casse les oreilles et je suis désolé les gars, franchement, mais bon. Au moins on tape la discute, c'est sympa, mais en tout cas merci d'avoir été présent. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Joe. So back to what I was saying.